tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans votre émission. Alors aujourd'hui sur place, nous recevons trois grandes personnalités. À ma gauche, vous avez monsieur Ivan, qui est le représentant du Portugal. Et juste à côté de lui, vous avez monsieur Hans Maki, qui est le représentant de l'Angleterre. Et à ma droite, vous avez monsieur Yves Leroy, qui est le représentant de la Guinée. Alors ils sont tous réunis là pour nous parler de l'Afrique, du développement africain. Alors nous allons commencer par monsieur Ivan, qui va nous dire quelque chose. Alors. Bon, attention, messieurs. C'est pas vous, je disais que, au niveau africain, le problème sommes nous, africains, même. Parce que nous ne conseguimos nous dar a mão. E se não uma reconciliação entre nós africanos, como é que a Europa, como vamos passar a Europa, como vamos passar os americanos? Então, para vos dizer que o problema africano é devido a nós africanos e mais a ninguém. É isso que eu estou a dizer. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs plutôt, je m'excuse, il disait tout simplement en langue portugaise que le retard africain est dû aux Africains et que le développement africain, l'Afrique ne peut pas se développer plutôt sans les Africains. Alors, nous allons donner la parole à monsieur Hans Maki qui va en dire quelque chose en anglais. As Africans, we should respect everybody. We should do things like to make Africa a better place to live. So, let's live and let's protect our Africa. Alors, il dit tout simplement que le respect, les Africains doivent se respecter. Parce que le respect doit être mutuel en fait. Un enfant, même si c'est un enfant de bas âge, il faut qu'il soit respecté. Quand il te respecte, il faut que tu le respectes aussi, que tu lui rendes l'ascenseur. Alors, j'espère que c'est compris. Maintenant, nous allons donner la parole à monsieur Yves Leroy, le représentant de la Guinée. Il va nous dire quelque chose. Bon, on dit là, ma sip, misal mini, on a un peu de temps à faire. Je suis allé à la fille de développement africain. Ko angal John Dillner, go jude de woni sonju de jama. So in hand de let je balé, je den fop no. Excusez, monsieur Yves Leroy, est-ce que vous pouvez parler dans une langue internationale pour que vous soyez compris par tout le monde? Oh madame. Une langue internationale en fait. Madame, c'est pas parce que je comprends pas français. Mais est-ce que français est plus international que ma langue, moi? Non, ça c'est qu'un foutaise, ça. Non. Si j'avais pas perdu la justice, j'allais vous frapper devant votre caméra. Et puis coupez-moi ça. Ça c'est qu'un foutaise. Vous venez en Guinée, vous êtes là, vous êtes noir comme monsieur, moi. Non. Excusez. Le poulard n'est pas connu à l'international, en fait. Voilà, c'est là que je vous attendais. Vous parlez de langue internationale. Moi, ma langue. Poulard et international, c'est moi. Parce que voilà, il faut que je parle le poulard. Bah, chez vous, c'est la Guinée. La Guinée est nationale, c'est pas international. Qui vous a dit ça? À l'international, on connaît pas la Guinée? Non, répondez-moi. Ça, c'est que foutez ça. Bah, on parle de la langue poulard. On parle pas de la Guinée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dis? Je suis français? Vous okay. Me voyez là, je suis noir? Ok, puisque vous parlez français. Derrière vous là, c'est quel drapeau qui est là? Le drapeau guinéen parce qu'on est en non, Guinée. Non, c'est pas parce que nous sommes en Guinée. On va se calmer. Non, on ne peut pas se calmer. Non, écoutez-moi. Si vous voyez que l'Afrique n'évolue pas. Non, laissez-moi finir. Vous m'avez donné la parole. Non, ça m'a coupé. Je ne continue pas. Non, vous me donnez la parole. Madame la journaliste. Attends, toi, tu ne comprends pas, monsieur. Ils ont dit langue internationale. Ah, bon, vous parlez aussi français. Tu parles quoi? Ah, je parle français. Je parle français. Mais c'est pour parler aux messieurs là qui ils ont dit langue internationale. Okay. Mon frère, ne me ferai pas, ok? Si je t'attrape, laisse-moi. Copé, fin de l'émission. Ne pas me laisser. Ok, honte à vous. Vous là, vous n'avez pas honte. Vous êtes noir, vous êtes en train de valoriser la langue des blancs. Ok, bah moi je vais vous laisser. Hein. Non, c'est WhatsApp. Hey. Dis Facebook, okay, je m'en fous. Time à l'ouvre.